Aujourd'hui, mardi 11 avril 2017. La 10e édition du défi Tête rasée, le camp de Vaudreuil-Dorion aura lieu le 4 juin et les organisateurs espèrent attirer 45 participants pour récolter l'objectif fixé à 50 000 $. Le rendez-vous caritatif se déroulera au Salon Le Loft du secteur d'Orion. Les élèves du pavillon Lionel Groulx de la Cité des Jeunes ont participé en grand nombre à l'événement annuel de tir sur la neige, dont les étudiants inscrits à la table des chefs se sont occupés à nouveau. Ceux-ci participeront à la finale régionale le 22 avril. Le service d'urgence et de protection incendie de Paincourt annonce aujourd'hui l'acquisition de masques à caméra thermique intégrée pour ses 8 officiers. Il s'agit d'une première au Québec. Ces masques permettront aux pompiers de se déplacer rapidement dans les pièces et de bien repérer les sorties de secours. Ce matin, les élèves de l'école Brin d'Amour présentaient leur spectacle dans le cadre du Festi-Cirque des Trois-Lacs. Les jeunes présenteront ce même spectacle ce soir dès 19h au Théâtre Paul-Émile Meloche. Vivant Rafale, une présentation de Promutuelle Vaudreuil-Soulanges.